Après notre large remontée du temps, nous revoici à Fabrezan, année 2024. Bienvenue à Fabrezan, Fabrezan, terre d'expression, terre de lien, première partie. Madame Isabelle Géa, maire du village depuis 2015, nous présentera la population, les différents acteurs économiques et les perspectives pour le développement du village. Laurent Rox, président, nous fera visiter la cave coopérative de Fabrezan. Nous ferons les vendanges. Nous rencontrerons des agriculteurs et vignerons. Nous évoquerons l'artisanat, le commerce et les professions de santé. De grands projets de développement seront présentés au cours de la traditionnelle cérémonie des vœux du Nouvel An. Nous nous intéresserons au jardinage. Nous visiterons le marché. Nous irons au restaurant. Nous participerons au défilé de mode avec Vanessa. Nous rendrons hommage aux soldats du feu qui assurent la sécurité des personnes et des biens. Madame Isabelle Géa nous présentera les aménagements qui ont été réalisés sur les bords de l'Orbieu afin de sécuriser son écoulement. Nous rencontrerons enfin les professionnels de la culture qui participent également au développement touristique et culturel du village. Je suis Denis Auger, je suis sculpteur depuis 14 ans, disons charmeur de pierre. Autrice, compositrice, professeure de piano, chanteuse, Sophie Lee s'investit également pour la sauvegarde de la planète et la santé des animaux. Je suis Yannick Séguier, je suis Fabrezané depuis 55 ans bientôt. Après la peinture, la sculpture, le son, Yannick Séguier nous présentera ses travaux autour de l'image. Plus tard, dans une troisième partie, nous participerons aux activités sociales, culturelles, sportives. Monsieur Rémi Ressio, sous-préfet, reviendra sur l'importance de la vie associative dans les villages.